plein milieu des corps. Tu galères un petit peu, parce qu'il y a quand même beaucoup de sang. Le mec qui arrive ici, hop, celui-là qui venait en courant, est surpris, du coup, de se retrouver face à toi. Et c'est à ce moment que tu entends une détonation de fusil à pompe, suivie d'une violente douleur au thorax. Oh putain! On est d'accord, toi tu sautes ici, lui il tire ici. Donc je te laisse faire ton jet de blessure, mon cher Garvel. Ça va être encore être très pique. Tu as combien d'armure? J'ai mon part de sujet. Ah pardon, oui, faute de ma part. Oui. Ouais, tu relances, t'as fait un 10. T'as fait 10 plus 4. Je relance avec juste le plus 10, hein, pas le plus 4. Hein. Non, tu relances ton 10, ça s'additionne. Ah oui, d'accord. Désolé. Fallait pas faire le con. Donc, fait total 10. Tu fais 18 points de dégâts au prêtre, qui a quelque chose comme 12 points de vie, c'est ça? Exactement. Mais tu m'autorises à esquiver? Non. Ah, merde. Tu sautes. Tu sautes en plein milieu du truc pour te rattraper. Enfin, tu sautes dans un charnier dont le meuge a décrit avant que c'était ultra glissant. Tu réussis à te rattraper. Le seul truc qui peut te sauver, c'est l'utilisation d'un point de destin qui justifiera que tu te casses la gueule dans les escaliers. C'est ce que je vais faire. C'est une très bonne raison. Très bonne utilisation des points de destin. Donc, tu glisses, tu te casses la gueule en arrière, et tu as le plâtre de la cage d'escalier qui explose juste à côté de ton visage. Tu tombes et tu te prends un point de dégâts. Par-dessus compte ou pas? Enfin, l'armure compte ou c'est point de dégâts fixe là? Je suis dans les escaliers, je pense que tu peux le prendre ce point de dégâts. Je prends le non, point de dégâts. Vraiment, vu que t'allais mourir juste avant. En fait. Non, moi je pense que vraiment, on devrait repartir sur le scénar d'avant où tu te prends 28 points de dégâts. Ou alors que tu me justifies de comment un par-dessus peut te sauver d'une chute dans les escaliers. Pas te sauver. Un point de dégâts. L'amortir un petit peu. Non, mais d'accord, ok, bon, un point de dégâts. Et tu sens une vive douleur quand le clodo te marche dessus pour descendre. Il aura évidemment réussi à esquiver le bâton du psyker. Pourquoi? Mec, c'est son arme qui lui permet de canaliser ses pouvoirs psy et d'avoir des bonus et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Je le jette sur un clodo. Ouais, je me disais dans les jambes pour le faire trébucher tout ça, mais... Après, je me suis dit que j'avais été trop cool, j'aurais dû tirer dessus au pistolet laser. C'est toujours une bonne chose hein, d'utiliser des armes de tir. On... Quand il faut tirer, oui. Donc vous avez... l'assassin se relève, aidé par le psyker qui lui tend une main secourante, secourable, secourante. Et t'as une petite appréhension, mais quand même, le psyker, tu commences à bien l'aimer. Et tu l'attrapes, il te relève, et vous regardez l'arbitesse qui est blême. Jusqu'à ce que vous entendez dans les escaliers quelqu'un dire: oh putain, j'ai mal! Ça va les gars, ça va. Vous voyez Garvel qui fait. Son cœur recommence à battre. Je croyais que j'avais prête. Pourquoi ce con il a sauté quand je tirais avec mon pompe? Pourquoi? La crème de l'Inquisition. Eh ben bravo. C'était quoi ce bordel légal? Je sais. Je vais vous virer les tokens des cadavres et des choses comme ça parce que ça n'a pas grand intérêt. Et je vais vous laisser. Discuter entre vous, j'en ai juste un pour le principe. Moi je vais aller chercher mon bâton en pantou dans les escaliers. Non, ton bâton qui est 3 mètres devant toi parce que tu as jeté en fait ça sur le dos d'un mec, mais
T'as acheté un bâton de Psyker, enfin... Tiens, attaque de baguette chinoise. Ah, merde, ça lui a rien fait. Je peux pas aider à arracher des carotides avec un pistolet laser et... direct le bâton. C'est ça, c'est ça. Est-ce que je peux fouiller le cadavre restant, enfin les cadavres du coup restants, sans qu'on t'intéresse? Les gars, deux secondes, on va pas faire des trucs, on va juste discuter de ce qui s'est passé pour commencer, parce qu'à chaque fois on fait des trucs et au final on fait rien. Donc non, il y a des types qui ont débarqué, vu que t'as dit au bagage. Alors vous avez pas fouillé, les cadavres explosent. Non, je déconne. Et moi aussi j'ai le droit un peu de jouer avec vous, bordel de merde. oui. Donc le mec de l'accueil là, tu lui as dit qu'il fallait pas qu'il nous voit, donc à mon avis, enfin qu'il nous avait jamais vu, à mon avis il a envoyé un peu du monde, donc je pense que ça serait bien d'aller vite le choper, genre fils. Le mec a voulu nous dépouiller. Déjà, il a vu son mec se sortir. Quand il va nous voir descendre, il va être en PLS, il va juste s'excuser. Sincèrement, le mec, il va être là... Enfin, moi, je pense. Hein, il va être là en mode... Les cadavres ils seront toujours là hein, dans 30 secondes. Hein. Mais lui, il sera peut-être parti. Et puis, au moins, on sait ce qui nous attend en bas. Là, on sait ce qu'il y a. Il n'y a plus rien. En bas, on ne sait pas ce qu'il y a. Le prêtre, on est d'accord qu'il est en bas d'essayer. Donc pour aller dans le sens de l'arbitesse, parce que je lui fais faire un jet et qu'il n'en parle pas, mais il a une très bonne connaissance de la psychologie des gens et il a bien cerné l'hôtelier. Ok, alors d'accord. Donc, que l'hôtelier, quand il te dit le mec il sera là en bas à nous attendre et va juste s'excuser, c'est parce qu'il t'explique que voilà, dans sa carrière, il a vu beaucoup de mecs comme ça qui sont juste désespérés, camés, qui sont complètement à l'ouest et qui se rendent compte de rien, qui sont complètement parano. Et voilà, c'est. Tu vois, s'il te dit okay. On n'est pas aux pièces, vous n'êtes pas aux pièces. Mais ça, c'est lui qui te l'explique, pas moi, parce que moi, je. Voilà, mais. Oui, mais par contre, ça n'enlève pas le fait qu'il y a peut-être encore des mecs en bas qui. Oui, mais vu comment leurs potes se sont barrés et qu'il y en a un seul. Qui s'est barré en courant. Si jamais il y a des mecs en bas, ils sont tous partis. Ou alors, peuvent okay. Mais si vous tendez l'oreille, oui, la seule chose que vous entendez, c'est le prêtre qui remonte en gueulant que le sang est glissant et que ça va tacher ses fringues et que c'est quand même pas normal. Du coup, je vais faire... Une fois qu'on aura fini de discuter, je ferai un tour pour voir si, enfin, il y a une putain de fenêtre. Moi, je pense qu'on va pouvoir demander à l'hôtelier de se faire rembourser, hein, vu l'état d'accueil. Moi, du coup, j'aimerais quand même, juste avant, voir si on peut effectivement fouiller des cadavres. Lazarus, quand tu fouilles le cadavre, tu mets la main dans sa poche et... apparemment, il y avait un chewing-gum ou un reste de sandwich au thon. Peut-être un molar. Tu sais pas, mais globalement, c'est des clodos. Ça rappelle assez à l'assassin celui qui l'avait chopé dans la ruelle. Le même genre. Genre le okay, camé ouais. Que tu vas engager pour 3 francs 6 sous pour qu'il puisse se payer sa dose, quoi. T'as de la chance d'être tombé sur un truc juste dégueulasse et pas une seringue ou un truc comme ça. Je m'essuie la main. Merci de donner des idées comme ça au mage. Très bonne. C'est pour ça que je me suis. Je l'ai fait juste après. Du coup, hors roleplay, petite question. Du coup, je m'interroge, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'embaucher des mercenaires auprès de l'hôtelier plus bas? Il n'y a moyen de le savoir. Hein. Vous allez voir l'hôtelier? On descend. Ouais. Est-ce que. Pendant qu'il fouillait, j'ai vu une fenêtre. On va dire que non, parce que j'en ai pas mis sur la carte. Obsession sexuelle pour les fenêtres, quoi. Alors, vous descendez l'escalier et vous arrivez dans le hall de l'hôtel où l'hôtelier a disparu.
À part son comptoir et une table dégueulasse et trois plantes en pot complètement niquées, vous avez une seule pièce, un petit bureau, manifestement. C'est ce qui est noté sur la fragile porte d'entrée. Est-ce que vous pouvez avancer? Moi, je vais tendre l'oreille, voir si j'entends un bruit, si j'arrive à entendre l'hôtelier. Bah, fais-moi un test de perception. Et c'est raté. Je regarde ce qui se passe dehors. Il y a des rebuts, donc des gens comme lesquels, enfin comme ceux que vous venez de tuer, des ouvriers, des gangers, des putes. Il y a des rats, des gros chiens, beaucoup de détritus. Ça pue. Il n'y a rien qui est alarmé. Il fait moche. J'ai vraiment pas envie de venir au monde et c'est une soirée normale pour Corcarl. Ok. Est-ce que je vois si la porte est ouverte? La porte a l'air fermée. A-t-elle l'air solide? Est-ce que l'un d'entre vous peut répondre? Elle est fermée. L'état de l'hôtel, à mon avis. Donc on va faire un rewind. Rewind de 15 secondes. Sur la fragile porte, il y a la mention bureau. Excuse-moi, j'avais pas entendu le fragile. Désolé. Je la fracasse. Très bien. On va donc faire un peu de roleplay. Et donc, en jeu de rôle, alors surtout, vu le terme, vous allez comprendre, mais c'est du médiéval fantastique, mais ça va s'appliquer ici aussi. Il y a une convention qui s'appelle la langue du barde. Et donc, tout ce qui va se passer maintenant, dans cette scène, tout ce qui sera dit, c'est des choses que ton personnage dit. Donc on va faire un peu de roleplay. Ce n'est pas toi qui dis je fais un test de ça ou ça ou ça, c'est tu le joues, et la manière dont tu le joues, je vais te dire, bah écoute, pour confirmer ou infirmer ton échec ou ta réussite, fais-moi un jet de temps. Mais donc tu fracasses la porte, qui vole en éclats. Enfin, globalement, ils t'ont fait chier dans la chambre, les mecs, ils ont sali tes fringues, t'as niqué les cartouches pour des clodos, et en plus, t'as une méchante éraflure sur ton armure derrière qui t'a sauvé la vie et que tu aimes par-dessus tout, mais voilà, tu vois, t'y prends soin et vraiment ça te saoule. Tu mets un coup de latte dans la porte qui explose, mais genre la serrure reste en place, c'est le reste de la porte qui se barre. Tu rentres dans le bureau et tu as derrière le meuble qui lui sert vraiment de table de travail, l'hôtelier, donc ce petit être malingre et que tu avais cerné comme étant une crapule de bas étage, voilà, défoncée et complètement à l'ouest par moment, qui est en train de pleurer. Qu'est-ce qui vous a pris de laisser passer des gens qui ont essayé de nous suriner? De quoi? C'est pas moi. J'ai rien fait. Vous n'avez pas laissé rentrer une dizaine de... J'ai rien fait, c'est pas moi. Vous allez me dire calmement ce qui s'est passé. J'ai eu une journée difficile. Je veux bien comprendre que ce soit le cas pour tout le monde. C'est pas moi. Non. Dites-moi juste ce qui s'est passé. Je ne vous accuserai pas. Je promets de ne pas tirer. Dites-moi juste ce qui s'est passé. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Bon. Je vais être clair. Je suis en train de péter un câble. Dans la rue, la moitié des mecs veulent nous suriner. Je viens dans cette ville. Je viens dans votre hôtel. Je me dis, c'est un bon gars. Je vais lui filer un peu plus que demandé pour la chambre. Et qu'est-ce que je reçois en cadeau? Des mecs qui veulent me buter? Attendez, j'ai même mis un taquet à mon collègue qui était en train de dire que votre hôtel tombait en ruine. Parce que ça se fait pas.
et que moi je trouvais que votre hôtel était très bien jusqu'à quelques minutes où 15-5 mecs avec des pieds de table, des tabourets m'ont essayé de tabasser à mort. Alors, dites-moi ce qui va pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces mecs-là sont rentrés? C'est pas moi. Énerve-toi. Pas. Je vous dis pas, c'est pas vous. Je me demande, putain, qui c'est qui est rentré? Tu vois ça? Ça, c'est la dernière chose que tu vois si tu me parles pas. Je suis prêt à tirer à n'importe quel moment. J'en ai marre. Tu me dis tout de suite ce qui s'est passé. Donc fais-moi un test d'intimidation. Donc tu as réussi de 2. Tu as 2 degrés de réussite. Le sud de Corskarla patouche dans le sang et mes péchés ne sont rien en comparaison de ce qui se terre au cœur de la nuit. Qu'est-ce qui se terre au cœur de la nuit? J'en ai marre. Ils appellent les yeux rouges, les voleurs de corps qui emportent femmes et hommes et enfants. Non, je sais pas où ils sont, je veux pas savoir. Les spires savent qu'il y a assez de proles portées disparues, des douzaines sans doute plus, mais ils sont trop terrifiés pour en parler. Ils sont trop terrifiés, ils le savent. Ils savent tout. Tout le monde sait tout. Qui sait? Tout le monde sait tout. Et tu continues en fait à le presser un petit peu. Et tu vois que globalement c'est un mec qui a pas forcément de rapport avec ceux qu'il appelle les voleurs de corps. Mais c'est juste un mec qui est totalement parano. Par contre tu as bien réussi ton G de degré et tu continues parce que t'es pas en mode tranquille, hein, globalement. T'as pété la porte. Passe une bonne journée, globalement. Et il regarde, tu vois, à un moment, tu prends le canon, tu l'enfonces dans la bouche. Je suis de l'arbitesse, tu crois que je suis le premier à pouvoir faire ça? Tu seras le premier à crever? Va te faire foutre, putain! Donc, en ce moment, il te dit. Tu lui enlèves le canon de la bouche, et il te dit: les forces de l'ordre sont impliquées, les proies disparues, je veux dire. Ça devient évident lorsqu'on remarque que ceux qui se plaignent trop bruyamment des disparitions s'envolent ensuite à leur tour. Je savais dès que vous étiez rentré dans l'hôtel que vous ne apporteriez que des ennuis. Que des ennuis. Je le sais, il avait raison, Lutz. Il avait raison de ne pas vouloir laisser sortir ces hommes après la nuit. Il a raison. Et il tente de se barrer. J'essaye de lui mettre un coup de pied pour qu'il se casse la gueule. Je fais un croche-patte. T'es vénère. Fais-moi un test de force mentale. D'accord, j'ai compris. Raté. Échec critique. Tiens, tu lui tires dans le crâne. Et il meurt.